Maman, Marie, douce reine des cœurs, embrase-nous de ta flamme d'amour, embrase-nous de ta flamme d'amour. Vers toi, ô très douce Madone, nous levons nos mains en ce jour pour t'offrir notre humble prière par ta vive flamme d'amour, pour t'offrir notre humble prière par ta vive flamme d'amour. Maman, Marie, douce reine des cœurs, embrase-nous de ta flamme d'amour, embrasse-nous de ta flamme d'amour. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, te louer, t'adorer et te dire notre émerveillement pour nous donner ta mère. Ta mère Marie, avec ce message qu'elle nous transmet par sa messagère Elisabeth Kindelmann. Nous voulons prier aujourd'hui ce chapelet dans la joie parce que cette fête de la flamme d'amour est demandée par notre mère et nous allons méditer le chapelet, les mystères joyeux du rosaire. Maman Marie, nous sommes ici pour te remercier d'abord, pour te dire notre joie d'être avec toi, d'être ici ensemble, en famille, en communauté culturelle diverse. Nous sommes ici en Église. Nous représentons l'Église universelle en essayant de témoigner par la récitation du chapelet en d'autres langues, cette communion avec les autres peuples de la terre, à tes pieds, Maman Marie. Alléluia, la lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Voici la lumière qui éclaire les nations, voici la gloire d'Israël. Alléluia, Jésus des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Et c'est maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort
avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, lumière des nations. Mes amis, cette belle fête de la présentation du Seigneur au Temple, elle est importante parce qu'elle nous rappelle ce que des fois nous sommes portés à oublier, à savoir que ce petit Jésus, accompagné de Joseph et de Marie, eh bien, s'est conformé en tout point aux habitudes de son peuple, c'est-à-dire porté par Marie et Joseph, comme tout enfant de sexe masculin devait être consacré au Seigneur, eh bien, il est entré dans cette voie, dans cette voie d'humilité, lui-même d'abord, et quand on regarde le reste du texte de l'Évangile, eh bien, qui met aussi en action, deux personnes qui, à cette époque, n'avaient pas tellement d'importance,